Placé sous le thème « Raffermissement des acquis et des idéaux du parti pour un Tchad juste et prospère », cette cinquième convention du Rassemblement pour la démocratie et le progrès qui coïncide avec le 21e anniversaire du parti a démarré dans cette atmosphère festive. Atmosphère qui dénote de la cohésion qui existe entre les militants de ce parti de la majorité. Plusieurs délégués des fédérations du RDP venus des différentes régions du pays prennent part à cette grande messe. Le président du comité d'organisation, Mahamat Masri, invite les participants à des débats démocratiques sur la vie du parti dans un esprit constructif et respectueux des opinions et idéaux. Selon le président national du RDP, la fidélité des militants et militantes reste un gage de l'évolution et des succès du parti. Cette cinquième convention devrait impulser une nouvelle dynamique au RDP. La cinquième convention qui est un rendez-vous important qui place à un tournant un moment particulier de notre histoire. Il nous appartient à l'issue de ces assises de définir des orientations précises susceptibles de guider la marche du parti dans un environnement très difficile. Lol Mahamat Choua a souligné que l'alliance RDP-MPS intervenue en 2010 est une alliance stratégique qu'il faut consolider et approfondir dans la confiance, la liberté et le respect mutuel. Alliance qui, selon lui, est le fruit d'une mûre réflexion sur le destin du pays. Le Tchad a besoin de sérénité pour se construire, a-t-il dit, tout en souhaitant plein succès aux travaux. Qui prendront fin le 29 décembre prochain, le président national du RDP, Lol Mahamat Choua, a formulé ses vœux les meilleurs pour l'an 2013 à l'endroit de tous les participants à cette cinquième convention.